Kid qui avait chargé de manette. Oh, Kalen avant le set. C'est mignon. C'est beau. Très mignon. C'est fair play. Qui avait pris Meta Knight et qui avait. Qui s'était imposé. Mais qui avait imposé son jeu. Il avait pilonné son adversaire. Exactement. Mais là, aucun buzz laissé. On sort le légendaire brawler. Exactement, le meilleur brawler de cette planète. Le joueur qui a placé. Pour tout casser. C'est le joueur qui a placé le personnage sur la carte. Exactement. Qui a battu. Tu veux switch après cette game? Qui a battu justement des personnes comme MKLeo, qui a battu Mars, qui a battu Mwanzai, mais on sent vraiment qu'il est à l'aise avec son personnage, qui continue à progresser, mais il ne faut pas dormir et continuer de prouver depuis que ce jeune homme est maintenant sponsorisé. Et oui, tout à fait. Et là, bon, bah, je pense que côté match-up, pas besoin de parler d'histoire de match-up check ou autre. On a battu MKLeo sur ce même personnage. Exactement. Donc on est plutôt préparé. C'était dans le sud-est de la France, justement, au Zénith. Oui, c'était ça. Je te fais confiance. Où justement il s'était imposé, il avait surpris tout son monde. Et d'ailleurs, MKLeo n'avait pas pris n'importe qui. Bien vu, on va trouver ce premier kill pour Zenati. Merci dans le chat. Il n'avait pas joué contre n'importe qui. Il avait joué contre MKLeo et Saphira Mitra. Donc il connaît le match-up et il s'est entraîné plusieurs fois avec Jude. Je pense que Jude, justement, quand il va revenir en Angleterre, il va surprendre. Parce qu'il y a quand même des grands noms, il y a Bloom, il y a Dark Token qui joue Kerry. Il y a Luigi qui est récemment en lecture, le F-Match, qui est récemment sponsorisé par l'écurie BMS. BMS, tout à fait. Donc je pense qu'il va falloir suivre Zenati après son retour en Angleterre. Moi, ça me fera très plaisir de suivre ses résultats. Mais clairement, j'aurais un peu l'impression qu'on a un Français sur place en fait. Maintenant qu'on le connaît bien, maintenant qu'on a appris à le voir dans nos weekly. Bon, derrière, on tente quelque chose d'assassin là. Oh, et le backer. Le temps qu'on raconte un peu nos vies là, il y a Zenati qui a pris une première stock assez solide. Exactement. Et derrière, je vais changer de cast maintenant. Je vais changer de cast maintenant parce que sinon mon comparse bordelais n'aura pas le temps de cast du tout. Je sais pas où il est. Mais à chaque fois que je veux lui passer le cast, il se barre. Il a disparu. Hein? Bah écoute, il est pas là. Ça va, je rentre à pied tranquille. D'accord. Mais oui, dites-lui de se préparer pour le prochain set. Ok, donc c'est parti. C'est parti. Smashville, donc oui, alors, en effet, on a bien fait d'être assez patient sur ce Ditto Mario. Parce que là, on a quand même du gros spectacle. On a du poulet. Le temps de citer le lore, l'historique, le contenant de cette rencontre. On a déjà une victoire côté Kid qui est pas là pour blaguer. Ça me fait très plaisir. Clairement. Qui a sorti le skin de base, le skin vainqueur, le skin qui a brillé notamment à la KingCon. Et ça me fait très plaisir de le voir justement au plus haut niveau. Et j'espère que cet été, il y aura des surprises. Donc restez connectés de la part de Kid. Et oui, clairement. Et là, dans ce match, on commence sur un début assez even. Par contre, là, on se retrouve au corner. Et c'est une phase que Kid gère très bien. On va réussir quand même à retrouver le center stage pour la Mitra. Par contre, est-ce que ça va finir encore sur un Ledge Trump ou une autre dinguerie du genre? On va ride la roll. Et derrière, pas d'énormes punitions. Le downer. Bien vu. Quel outil de désavantage de fou, hein, ce downbé. Vraiment, il est excellent. Incroyable. Oh, ça va pas tuer. Ça va tuer cette fois. Très, très bien. On va faire le B dans un sens, le B dans l'autre. Il est très très fort. Si vous avez l'habitude un peu du up B de Mario, vous vous dire que c'est la même chose avec une éjection bien plus vénère. Un mieux, un plus fort. Ok, on bouge tellement après, bien. Après le brawler, il faut pas croire que c'est gratuit justement. Oh, pas grand monde en le France neutral arrive à imposer son jeu avec du brawler. On a un petit peu Wookstom. Wookstom, ouais, justement, tout à fait. De le jouer à plus haut niveau, mais c'est quand même très difficile. Donc on sent vraiment que c'est un caractère spécialiste. Un OTP. On a Sirov aussi qui le joue en secondaire, mais c'est vrai que c'est un personnage qu'on a pas mal de gens qui ont tenté de pick-up, mais plus pour compenser certains match-ups. Exactement. Plutôt que le main, et c'est comme on disait tout à l'heure, hein, Kid c'est vraiment celui qui va placer le perso sur la carte. On a trouvé Nair Forward Smash. Je pense que c'était pas vraiment trop. Qu'est-ce que t'en dis? Yain peut-être. Peut-être. En fait, si tu dis Yain, justement, tu restes collé à ton adversaire et le. Et le F-Smash devient trou. Nair F-Smash, c'était trop, Joachim qui nous dit. Je sais pas si c'est 100% vrai ce qu'il nous dit, mais je vais lui faire confiance. Derrière, on va trouver cet honneur. Et c'est déjà la fin. Ne clignez pas des yeux. Kid, il sait carjack des stocks à une vitesse affolante. Nair F-Smash, c'est trou. Ok. Hein? Tu pourras pas? Ah, d'accord. De quoi? Eh non, pas du tout. T'as demandé au TOS?
demande toujours. À la prochaine. Donc hop là, on a la troisième game de ce set. Donc en effet, c'est Elastrou. Alors je n'étais pas au courant, c'était un surprenant. Ça l'a tué à 60, hein. 60 ah, l'ordinaire. Hein. Non, non, 80 après les dégâts. C'est la mobilité. Oh, okay. Qu'est-ce que c'est que cette phase? J'adore les combos de Brawler. 62% de la part de Brawler. Alors c'est très difficile pour Jude Zenati de revenir au pays sur ce set là. Je pense qu'il va falloir se rattraper. Il a à cœur de montrer un meilleur visage justement pour cette dernière apparition du côté du sud-ouest de notre communauté. Clairement, en tout cas pour l'instant, sur cette troisième game, on a un début plutôt even, mais on a vu des débuts un peu similaires lors des deux games précédentes, et Kid qui sait inverser la vapeur, qui sait progressivement trouver les habitudes de son adversaire et punir toujours de façon extrêmement optimale. Inverser la vapeur, je n'aurais pas dit mieux à Miss Oriel. Donc là c'est parti, on est en tech chase, on l'enferme totalement, c'est très compliqué pour revenir de la part de Jude. Ok, on revient. C'était un up smash, On sent un petit peu les reliquats d'un ancien main Fox. Tu vois, à lâcher des up smash comme ça, je trouve qu'il a vraiment trouvé un perso qui lui colle à la peau. Il a les capacités de Mario, il a des out of shield à la Fox. Et il nous montre chaque semaine qu'il brille de plus en plus. C'est Mati qui trouve un très beau grab, on va vite biffer le up B, on retente. Ça aurait pu être un re-grab un peu dangereux. Derrière 45% qui va être trouvé, cet outil neutral. C'est diabolique, il fait plus de 20%. Il est très fort, le command grab vraiment. En fait, c'est pas un coup en lui-même très puissant, il amène à pas grand chose et tout, mais juste il va conditionner l'adversaire à sortir de son shield. Et c'est... derrière, je crois qu'à chaque fois c'est 22, 23, c'est énormément pour ça. Ouais, clairement. C'est autant que le command grab de Bowser. Enfin, je sais pas si on se rend compte. C'est terrible. Ouais, alors c'est plus le command grab de Bowser quand même, non? Ok, j'aurais dit, my bad. Alors en plus, ça a quand même. Alors, ça a des facultés différentes, mais on voit que ça dépend énormément. Parce que là, on a le cas avec une plateforme centrale qui conditionne Achille, justement. Donc, oui, c'est très très utile dans le match-up. Donc, on est tout déjà à 131% du côté de Zenati. N'importe quelle interaction, un neutral B, un up smash, un up B. Ça out of shield. La stock du côté de Zenati pour atteindre cette grande finale du côté de. Non, mais qu'est-ce qui se passe? Un Kid qui est mort de rire, il a inversé son up B. On est mort à 14%. Je sais pas si c'était volontaire, mais en tout cas, ça donne un espoir à Zenati qui va tenter de remonter dans cette game. La taxe à Mitra qui a été mise 48%, 56%. Il a lâché. Il a lâché. Il non, s'est suicidé. On jouait trop proprement depuis tout à l'heure, il fallait que ça sorte au bout d'un moment. Ah, exactement. Donc là, on jouait trop sérieux. Il a un peu trop lâché. Non, mais. Il faut dire à Kid qu'il faut s'imposer. Un 3-0 et 1 et 2 et 3-0, ça ferait plaisir. Eh bien non, on se suicide du côté de Kid. Mais là, c'est parti. La stock Sorial de notre set. C'est peut-être la dernière stock, justement, pour Kid. Mais je pense que Zenati ne l'entend pas de cette oreille. Ok, derrière, on a des pourcentages à peu près égaux. Par contre, c'est Kid qui a le lead là-dessus. C'est lui qui est à l'initiative. Par contre, Zenati qui va réussir à trouver un très bon reverse. Derrière, on va switch sur la Pyra, essayer de trouver ce upper. La très bonne air dodge de Kid qui va lui permettre de survivre un peu plus longtemps. Par contre, on est sur cette dernière stock à plus d'une centaine de pourcents contre Pyra, ça fait très peur. Oh, derrière ces trous? Non, okay. Je me demandais. Derrière, là, n'importe quoi peut tuer, on va trouver cette dash attack. Bon, j'ai menti, la dash attack tue pas. Derrière le pari, derrière on va pas trouver le grab. Le petit nerf, out of shield, derrière on est encore une fois en situation de corner et on va trouver. Oh, non, ça va tuer. Ça tue pas. Oui, on a vu ton message, Lunatic. Mais non, on partagera pas, désolé. Tu lui enverras. Exactement. Je pense que là, c'est vraiment à caractère personnel. Donc nous, on va pas se mêler. Oh là là, tu sais, mix-up de Rico. C'est terrible. On va trouver un très bon grab. Derrière, on a tenté de se placer peut-être pour placer un donneur assassin derrière. Le nerf. Ça tue. Ce n'est pas la dernière game. Tu ne partiras pas comme ça, Jude. Zenati qui prend la première game, peut-être la première d'un long méo. Tu partiras en héros. Je te l'assure, tu restais un an justement pour nous faire évoluer. Tu pouvais pas partir sur un 3-0. C'est parti, peut-être le reverse. Peut-être le reverse. Bon, après, on se rappelle quand même que Kid a fait une jolie SD à 14% sur sa deuxième stock. On n'a rien vu. Mais c'est peut-être ça qu'il fallait à Zenati pour pouvoir récupérer le momentum. Exactement, donc là on change de stratégie, on passe sur SBF
du côté de Kidd. Alors qu'est-ce que ça pourrait apporter justement? On est sur un terrain qui n'est pas très grand, qui a deux plateformes, donc qui pourrait justement être plus évasif au niveau de son command grab, de son jeu de combo pour reset justement, pour atterrir sur un up B, mais ça peut également aider. On voit Zenati pour extend ses combos au upper avec son personnage. La phase, la phase est magnifique. Mais est-ce qu'il joue Diddy Kong? C'est vraiment une phase qui fait très penser au petit singe. Et là derrière on a trouvé vraiment... Est-ce que c'est le fameux Diddy Kong sa banane? C'est trop beau. Oh, derrière on a tenté quelque chose d'assez lourd. C'est pas passé. Mais là Kidd qui commence cette quatrième game du coup sur les chapeaux de roue. Oh, derrière il fait très peur quand il monte sur cette plateforme là. Quand il monte à côté de toi là, Kidd, t'as vraiment pas envie d'être là. Ah, c'est quelqu'un qui veut justement te voir atterrir à un seul endroit, c'est la blast zone. Et lorsqu'il est au plus proche de toi, il faut pas dormir au ledge. Oh, ça il faut fait pas très peur. Sur la plateforme, c'est quelqu'un qui est dangereux à tout moment sur l'air. Oui, clairement, clairement. Et contre Brawler, on a déjà pu le voir à moult situations. Le personnage a de très belles options. Qu'est-ce qu'on a trouvé là? Incroyable, incroyable, se confirme. Qui est sorti des enfers. C'est terrible parce que là, justement. Je vais manger mon chapeau, Soria, je vais manger mon chapeau. Ah non, c'est beau. Il nous a sorti un down R, un B. C'est terrible. Clairement, clairement. Alors, et c'était complètement trou, hein, je crois. Ouais, bien sûr. Mais le choix d'SBF qui n'est pas anodin. Oh non ! Et on termine là-dessus, on termine sur cette ESD. C'est dommage, le 3 stock un peu autoritaire de Kidd. Qui se dit, bon, voilà, ça s'est pas joué à ça, la game, de... la game tout à l'heure. Le câlin qui a été fait. On remercie Zenati qui va partir là-dessus et qui va DQ du coup de son loser. C'était un plaisir d'avoir ce joueur avec nous. Jude, un grand plaisir. Est-ce que t'as... Je sais que tu dois partir très vite, mais est-ce que tu as une minute juste pour nous? Puisque tu pars après, moi, je dois on verra le casque, donc je te passe. Non mais ça, enfin, ça semble intéressant, je trouve. Vas-y, vas-y, parce que c'est quelqu'un quand même qui nous a apporté dans notre communauté, donc ça pourrait être chouette justement que vous l'entendiez. Pour son départ de notre cité toulousaine et justement Jude qui arrive pour échanger un petit peu avec nous et quelque part ce serait intéressant qu'il débriefe avec nous un petit peu de son point de vue de l'évolution de la scène toulousaine de son arrivée il y a un an à maintenant et ça serait intéressant également d'avoir un petit peu ses horizons